titre, un sacré parfum. Nombre de joueurs illimité. Catégorie à la manière du théâtre de boulevard ou vaudeville. Durée 5 minutes. Ah ça je t'avais pas vu. Monsieur rentre de bonne heure. Oui, oui. Oui, Clotilde, je rentre de bonne heure et je suis de très bonne humeur ce matin. Ben oui, 6h du matin, je vous ai jamais vu si tôt. Non, ça c'est quand on rentre de bonne humeur. Alors, est-ce que vous avez vu ma femme? Ah, madame, oui, elle est dans votre lit, monsieur. Elle est dans mon lit, tout va bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous sentez quelque chose d'assez étrange. Allons. Ah oui. Ah si, si, c'est un parfum très envoûtant. Je reviens du marché aux fleurs. Ah. Oui, j'ai acheté des caisses d'oignons. Oui, il y a un morceau de pelure, excusez-moi. Voilà. Non, enfin, on peut rentrer chez soi quand même à 6h du matin, trouver ça bonne et que ce soit pas un problème tout de même. Monsieur, c'est vous qui faites le problème, moi je n'en ai aucun. Je travaille et puis voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aller prévenir madame que je suis rentré? Eh bien, j'y vais. Ce serait un grand service que vous pourriez me rendre. Monsieur est rentré! Est-ce que vous êtes sûr que vous allez la mettre de bonne humeur, comme ça? Ben, au moins, elle est au parfum, comme ça. D'accord. D'accord. Madame, c'est monsieur! Bon, elle va arriver. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, hein. J'ai mais toujours été un très grand mais madame, vous m'aviez dit que monsieur rentrait si tôt. Je serais parti plus tôt. Mais là, je suis encore là et monsieur est déjà là. Que vais-je faire? Par où vais-je partir? Mais cachez-vous dans mon placard, oh, mais dans votre placard. Je suis caché 2 jours sur 3, madame. Oh! Et puis ce placard, oh, occupé. Oh, mais faites donc connaissance, monsieur va arriver. Bonjour. Bonjour. 2 jours sur 3. 2 jours sur 3 également. Ah. Il en reste donc un. Madame. Oh, oui, qu'y a-t-il? Fermez la porte du placard, elle se rouvre toute seule. Madame, fermez la porte du placard, elle se rouvre toute seule. Ma chérie! Mon amour! Oui, je vais te dire quelque chose là-bas. Non, ma chérie. Oui? As-tu passé une bonne nuit? Très bonne. Tu dormais comme une souche et je me suis levé sans que tu me vois. Hein? Je me suis couché, tu dormais déjà. Je n'ai pas vu l'heure passer. Il est quelle heure? Il est 11h? Oh, il est bien 6h15. Ah, c'est donc ça. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner mon... Tu sens étrangement. Est-ce que... Et vous constaterez que les infiltrations dues à cette fuite à l'étage... D'abord, mais d'abord. Donc, d'ailleurs, je me disais... Bonjour, je suis content de vous voir. Bonjour, monsieur l'entrepreneur. Ah, mais avec grand plaisir. Nous sommes venus dès que nous avons pu. Vous avez fait des relevés toute la nuit? Tout à fait, 2 jours sur 3. Enfin, voilà, nous sommes là. Ah, monsieur, oui. Je vous cherchais. Eh bien, vous avez trouvé. Attends 2 jours. Merci, monsieur. Eh bien, mes chers, je vois que ça va bien. Je vais prendre mon petit costume. Habillez-vous, habillez-vous. Moi, j'ai décidé de rester en tenue toute la journée. En tenue? En tenue de nuit, bien sûr. En tenue? En tenue, oui, ça vous dérange que je porte ma robe de nuit durant toute la journée? Je trouve ça absurde. Je l'ai décidé, pourtant. Bon, faites comme vous voulez, ma chère. Moi, je dois aller travailler. Je dois travailler, j'ai un rendez-vous important avec ma secrétaire ce matin. Ah bon, encore? Oui, ça ne encore, c'est-à-dire, elle me disait tout à l'heure, je veux dire, hier, à 5h, que nous avions beaucoup de travail et... Vous me cachez des choses, mon cher. Je le sens à plein nez. Mais absolument. Oups. Oh, pardon. Je ne savais pas que vous étiez nue. Elle n'est pas nue, elle est en tenue. Oh, pardon. Je suis en robe de chambre. Tenue, oui. Tenue et pas nue, c'est très différent. Téléphone pour monsieur, c'est urgent, apparemment. Téléphone, mon Dieu, quelle vie trépidante. Ma chère, excellente journée. Faites donc. C'est la secrétaire, elle doit absolument rentrer. Je ne peux pas la laisser rentrer maintenant. Mais non, on ne peut pas la laisser rentrer, mettez-la dehors, s'il vous plaît. Mais oui, c'est ce que j'essaye de faire, mais elle ne veut absolument pas partir. Bon, alors faites-la entrer. Ah, oh, mais quelle journée, quelle journée. Mon café! Oui, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Si, vous devriez. Oh, c'est une blague de fou, de fou, de fou. Oui. Ah, je vous faites là, monsieur l'architecte. Aussi vite que j'ai pu. Mais la fuite s'est répandue jusque dans ce tiroir. Ah, mais je vois, mais vous êtes vraiment très bien. Très ennuyé. Ah, oui. Écoutez, madame est toujours là, vous ne pouvez pas rentrer maintenant. Non, mais je venais le prévenir. Le prévenir? Mais oui, mon parfum s'est renversé sur son costume. C'est ça? Mais oui, c'est ça. Je ne voulais pas lui causer d'ennui. Si vous pouviez le faire aérer. Je m'en occupe. Oh, merci, je vous laisse. Oui.
Oh, le tiroir donne dans votre commode. Ah. Voilà qui est bien commode. C'est la mienne. On disait que c'était la mienne. Je vais la laver directement à la main. Vous avez pris ma veste? Aussi, oui, pourquoi? Bien sûr. Je sens mon père.